question, petite VOD, pour tester, c'est quoi un dodo? C'est quand tu vas te coucher le soir. C'est un dodo. on est sur Préhistoric Kingdom, l'early qui vient de sortir officiellement hier, ça, je sais plus. Et on va tester le scénario en place, le tutorial. Et ensuite, on verra un petit peu ce qu'on peut faire, mais je connais pas trop le jeu. Il m'intéressait depuis longtemps, mais voilà. Je n'y ai pas joué, je n'ai pas plus regardé que ça des vidéos. You trouble, c'est mignon. Du coup, on va faire le scénario. Parfois, mais n'info, un tox. Oh, on a peut-être au niveau des dinosaures. Nadine Morano. Non, on va pas mettre ça. Hein. Alors, info ou intox, les bourdons ne piquent pas. Moi, je sais. Clotilienne, c'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. Info ou intox, les bourdons ne piquent pas. Moi, je sais. Je sais complètement. Info pour faire femme. Non mais il y a trop de tout qui se mélange. Ah oui, c'est uniforme, vous dites tous info. On voit que vous avez pas joué beaucoup avec des insectes quand vous étiez petit, vous, hein. C'est complètement une intox, en fait, faut arrêter de dire ça. Et je peux même vous dire sans répondre. Ta gueule. Qu'on confond avec les mâles. Il y a l'espèce bourdon, et il y a les mâles des abeilles. Sauf que, en fait, ce qu'on appelle bourdon, généralement, c'est une espèce à part, qui pique complètement. Bon, je vais voir si c'est bien ça. Les femelles bourdons sont munies d'un dard et qui piquent. En revanche, leurs mâles, tout comme les faux bourdons, sont des mâles abeilles, ne piquent pas. Voilà! Le nombre de fois on m'a dit, ah, mais ça pique pas. Si, j'en ai pris dans mes mains, en fait. Moi, je prends des insectes, j'ai jamais eu peur. Et du coup, des fois, j'ai déjà pris des petites abeilles. J'en faisais pas mal. Je les prenais comme ça, je les mettais dans un vivarium. J'avais. Souvent, j'ai relâché après. Et du coup, bah, je faisais ça avec les bourdons aussi. Les bourdons, bien sûr, m'ont déjà piqué. Je les caressais même, les bourdons. C'est très doux. Je joue avec les bons insectes. C'est juste que c'est un... Voilà, vous avez tous dit info. Parce que vous êtes tous ignares. Ça fait depuis l'âge de 6 ans que je sais, moi. Et du coup, les gens de mon entourage m'ont dit pareil aussi. Mais t'inquiète pas, ça pique pas. Ah bah d'accord, ça pique pas. Pouf. Pourtant, savoir, vu que le principe est que tout le monde veut prendre sa place bientôt. Quoi? Important à savoir, vu que je participe à tout le monde veut prendre sa place bientôt. Ah d'accord. C'est quoi ça? Une vieille émission, ça, un peu, non? Je sais pas. Bah voilà. Bourdon et faux bourdon ne sont pas la même chose. Les faux bourdons, c'est les mâles des abeilles. Un bourdon, c'est une espèce à part. Voilà. Voilà. Vous savez pas, hein. Avec un faux lent, ça pique. Mais ça, personne m'a dit un faux lent, ça pique pas. De toute façon, ça se voit. En fait, c'est ça le truc. C'est que les abeilles, les guêpes et les frelons. Des couleurs très éclatantes aussi, c'est un indice. Hein. En tant qu'humain, on est censé se dire, tiens, c'est vachement vif comme couleur, ça. Ça craint un peu. En tant que créature logique. Et sachez que moi, j'ai déjà sauvé la vie d'un frelon. Voilà. Ah mais oui, moi, je n'ai pas peur des insectes. Un frelon qui était par terre en train de se déshydrater et je savais, il était sur un chemin. Avec des gens risquaient de marcher dessus. Potentiellement pieds nus en plus. J'ai surtout fait, voilà, je l'ai pris par les ailes, j'ai mis ma main en dessous, je l'ai mis dans les forêts. Le frelon étant une guêpe. Le frelon est une guêpe. Ça n'a pas de sens ce que tu dis, c'est comme dire qu'un bourdon est une abeille. On va regarder, hein, frelon. Ça fait partie de la famille des Vispidae. Il n'y a que des noms d'insectes que je connais pas. Venez m'appeler Frelon, mais aussi Guichard, Talène, Tombral,
cabridans selon les régions. Majorité des espèces, la majorité des espèces originaires d'Asie. Ah non. C'est voilà, ils disent rien que mais non, c'est pas du tout une guêpe. Voilà. C'est parti d'une famille peut-être qui englobe aussi les guêpes, mais bon. C'est une sous-espèce de guêpe. C'est une sous-espèce de Vespidae. Et les Vespidae, ça comprend les guêpes, ils disent. C'est en fait une famille. Et ça, bon, oui, pourquoi pas. On s'en doute un petit peu vu la tronche qu'ils sont de la même famille, mais c'est pas le même insecte. La frelon n'est pas une guêpe, mais ça fait partie de la famille des guêpes. Voilà. Ils disent que ça comprend. Les Vespidae, ça comprend les guêpes. Ils disent même pas que ça comprend les frelons. Les frelons, ils disent même pas que ça comprend les guêpes. Les guêpes, moi, c'est mes potes. C'est la même famille. Bah oui, mais ça, on s'en doutait. On est de la même famille que les bonobos, mais bon, c'est pas pour autant qu'on est des bonobos. On va pas insulter les bonobos non plus. Je sais pas. Très bien. Contrairement, par exemple, aux colombes, qui sont réellement des pigeons blancs. Pas juste de la même famille, c'est vraiment des pigeons blancs. Voilà. Bon, bref. Rendez-vous amoureux fini. Eh bah, très bien. J'espère que tu l'as comblé. Il m'a expliqué des trucs, Nigel, mais je détestais ce type, alors je l'ai pas écouté. Change de caméra hate. Voilà. Great stuff. Let's check some auxiliary functions. Try enabling your light. Oh punaise, elle est forte. Oh, et par rapport à Planète Zoo, next, we'll get you on the move. Ça ressemble de fou, hein. Regardez comme c'est trop Planète Zoo. Mais je trouve ça trop cool, hein. Moi, c'est mon grand regret que le Frontier n'ait pas fait un jeu. Quant à la musique, je vais... Musique, j'en peux plus. Voilà. Voilà. Alors, fallait que je fasse un truc. C'est la musique de Zelda, plutôt des trucs chill. Comme d'hab, c'est, je pense tout chill, donc Zelda. Et que ça, je pense. Alors. J'ai pas écouté. Interrogation. Là, une alerte. Ah, y a pas de bouffe. Je crois qu'il faut que je place de la bouffe. Tu peux faire un pont toi-même? D'accord, la musique lag, ça m'énerve. Et en plus, j'ai baissé le son entier. Je suis un peu débile. Caring for the animals should be your number one priority here at Prehistoric Kingdom. If they're not happy, no one's happy. Voilà. Select one of the animals in the habitat so we can take a look at them. Let's take a look. Okay, so this is a Dryosaurus. Dryosaurus. This little fellow is a small herbivore from the Jurassic. Il a faim. And it looks like their herd needs our help. Welfare. When pas tackling welfare. A welfare issue bien être. Like this one, you can expand headers inside the animal's info box to learn more about the problem. On s'en sert. Essayez les tutos. Alors. Avec Laurence Boccolini, avant c'était avec Nagui. Enfin, tellement jamais la télé qu'il veut prendre sa place, je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais ok, bah GG à toi en tout cas. Mmh. Mince, faut que je fasse quoi? Excusez-moi, je vous lis. Je ferai plus à terre. C'est comme.
Weapon. Un panel. Et là, enrichment. Ok. As you can see, it looks like our previous park manager took the America's job and ran without much consideration for the animals he left behind. Ça va, ils sont jolis, hein? While I call up the board members, I'll need you to care for the little ones. You can start by getting their food situation sorted. Some enrichment too. Regarde la caméra. If you get lost, there's an objective prompt. Mais il est trop mignon ce machin, regardez cette petite gueule. Good luck. Mais j'aime trop. Regardez comme je suis mignon. Enfin, je l'éclaire un petit peu. Un tout petit peu. Tu me dis si je te dérange, hein. Mais c'est trop pipou. Ah, j'aime trop ce machin. Mais quoi? Elle s'appelle Mathilda. C'est quoi déjà? Les Dryosaurus. Add a feeling. A feeling throw. Throw. Putain. C'est exhibit. Un feeling true. Ok. Une fois feeling true. Mais j'ai pas moi des onglets pour le feeling. Ah si, peut-être qu'il faut que j'aille dans le même. Ça, c'est ce qui lui manque. Ah d'accord. Ça, c'est de l'enrichissement. De l'enrichissement. Et je vais mettre ça devant les visiteurs. Voilà. Ah ben ça augmente tout de suite. Là, je vais mettre ça ici. Pas de l'eau, j'aime bien. Et ensuite, du feeding machin. Mais c'est où le feeling? Ah ben non, il est en train de manger. Il est déjà en train de manger. Eating. Ah ouais? C'est qu'ils ont à bouffer alors? Qu'est-ce qui m'embête? Feeding machin. Ok, mais c'est où? Where is that? Mais je peux pas add de feeding machin. Ah si, c'est peut-être là. Pas du tout. Ça, c'est les besoins en environnement. Ok. Comment j'ai add un feeding trou? Nutrition. Nigel, redis-moi, je t'écoutais pas, je te promets, je suis à fond. C'est en bas. Oh, putain, c'est en bas. Un feeding trou. Je veux mettre. Great work getting the dryosaur paddock up and il vole un peu, hein. Regardez l'herbe, comment elle bouge bien aussi. C'est incroyable, mais on voit vraiment. Je ne vois pas autant dans Panzo. J'aime bien. On voit vraiment ça, vous voyez. T'entends que t'as enlevé Jean à la salle? Comment ça, enlevé? Non, il est toujours dans mes émotes. Mais silence! J'écoutais pas en vrai, Nigel. J'ai promis que j'écoutais, je l'ai pas écouté. Là, je vais mettre là. Voilà. Là, vous voyez toutes les infos. Locate the market. Construction site. Dans la map alors. Ah! Ah oui, d'accord, il veut que je construise un truc ici. Ok, next, j'ai locaté. To get ready for a new attraction. I've already sorted the food and enrichment, but I'll need you to do the rest of the heavy lifting. Let's prepare the area by building a generator nearby. Generator nearby. Un générateur. Il y a une sacrée tronche ton générateur. Je le mets où? Où je le mette ici? Ça c'est une turbine, c'est pas ça? C'est ça qu'il faut? Comme ça? Ah ouais! Next up, I'd like you to build an animal nursery in that area there. Ouais non, mais on va avoir un petit problème là. Je crois qu'en fait, la nature s'est adaptée très vite, finalement. Ouais, ça passe, hein. Si je lui dis ça passe, moi je dis ça passe. Ça, c'est un animal nursery. Oui! Animal nursery lodge. Animal... Oh, on va mettre une... Là, celle-là. Allez, bien. C'est où l'entrée? C'est ce côté-là ou c'est l'autre côté? Non, c'est ce côté-là. Mais il y a déjà en plus un générateur.
Mais ça comme ça? Ah, on peut vraiment placer comme on veut, y a pas de limite. Les arbres et tout ça ne gênent pas. Fais bien la pelouse qui bouge, t'as vu? Ça va, petit Gaël? Je crois que je t'ai pas dit bonjour. Tu as éclaté avec le non-œil avec ton flash. Non, je l'ai un petit peu éclairé de façon à mettre en valeur sa beauté, c'est tout. Tel un soleil en plein mois d'août. Toujours pas le dénigme, Lésion. À son grand regret. L'avantage, c'est que même si t'as vu pas mal de trucs en stream, bah, y a pas mal de trucs que t'as pas vu quand même. Nursery menu. Mais attends, y a pas de chemin. Nursery menu. Oh, d'accord. Alors ça ressemble un peu à Frontier. À Frontier. Un Torvosaurus. Non, moi je veux pas un Torvosaurus. Moi je veux un dodo. Quite a fearsome looking fella, isn't it? J'aime bien, in en here fait. You can find everything you'd need to know about managing an animal. Okay. Exhibit requirements, un peu de forêt, needs, diet, très peu d'eau. You name it. You can even change how an animal looks, assuming you've discovered all the genetic material. Here, try changing its appearance. Quoi? Changing quoi? Ah! All female. Ok. Et très bien, très bien. Comment je crée? J'ai les sous? Pas les sous? Les sous infinis, je crois. Du coup, je dois avoir les sous, je pense. Je pense que si c'est infini, is ok. Je me connais mal en finance, mais je pense que quand on a les sous infinis, is ok. Did you notice the species name changing? Some animals like the Torvosaurus have a handful of species to pick from. Mais moi je veux les versions avec des plumes, il y avait ça dans la bêta. And even star rating. Once you're happy with your selection, press the create button. Oh, moi je peux faire ça, attendez, regardez comme il est magnifique. Create. Press create. Ah, mais je vais faire un couple. Attends, je vais prepare faire un couple. Let me do a couple. Secure fencing is of utmost importance. Ah, je peux pas. Especially for a predator. Open the enclosures category and choose a fence type. You'll want to cover the entire perimeter. Mais c'est drôle, j'ai qu'il pleure. Arrête. J'ai pas rendu aveugle. Alors, build an habitat. Ok, I'm gonna build an habitat. C'est où? C'est là. Metal. Il y avait écrit quel fan il fallait. Mais je peux plus accéder. Bon, c'est pas grave. Okay. Attends, là, c'est quoi, là? Mais oh, mais c'est sympa, ça. Un bâtiment. C'est pas mal. Je sais pas si c'est un bâtiment déjà tout fait. Qu'on peut prendre tel quel. Ou si c'est juste, là, une déco qui a été faite spécialement pour le tuto. Avec ça, ça va comme fence? Oui? Salut Hertz! Oui, oui, j'écoute! Bon, je pense qu'il me faut du métal. Ça, c'est pas forcément plus. C'est pas forcément mieux, hein. Il me faut de la stone. Non, je pense que je vais prendre du métal. Métal! Je vais prendre les deux en fait. Savez quoi? Savez quoi? Savez quoi? Je prends les deux. Voilà, on va faire un petit mix. Une mixtape de fence. Hop. Là ici, après, on va prendre du métal. Là, ce sera la viewing area. Oh, pas tout de suite. Sur le côté. Comme ça. Là. Je mets du métal. Hop. Là, je remets du wood. Voilà, comme ça, vous savez, on fait de l'intimité. Intimité. On refait du métal. Métal. Hein, faire du métal ici. Ah, si, un petit peu. Un chouille de métal. Un petit saupoudrage de métal, puis paf, wood.
is okay. On va faire deux men into the other side. Ah, il y a un bout de chemin qui manque. Quoi? On va faire ça mieux. Hein. Remétal. Je crée. Ne t'occupez pas, je crée. Voilà! Est-ce pas mal? Moi j'aime bien le, en plus il y a du wood là. Non, c'est bien, c'est cohérent. Franchement, c'est cohérent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et moi j'ai build. Bah, ici faut continuer de build. Comment ça, good enough? Non, c'est bien! Comment ça? Non, c'est bien! Mais non, mais là, du coup, au niveau des fenêtres, j'ai mis des barreaux. Bah, c'est tout dégueu. Je vais considérer que j'ai pas fini? J'ai utilisé plusieurs fences, alors j'ai fait bugger, c'est ça? Voilà! Oh, ça marche pas! J'ai fait des fences! I did fences! CTRL Z ne marche pas. Ah. Faut que je mette une seule et même barrière, c'est ça? Moi je comprends ça, hein. Le périmètre fencing. Mais comment ça, le périmètre fencing? Vous allez faire en une fois. Hein. Je peux faire par-dessus. Voilà. Ah, peut-être qu'il faut que je le fasse là aussi. Into the doute, je le fais. D'accord, ça marche pas. Pas grave, je continue. Now, with all that sorted, it looks mais c'est like tout moche là, le jeu. Pourquoi tu es méchant? Je veux même pas supprimer. J'allais me faire un truc à manger. Bon app! C'est pas la match de Planet Zoo. Ah non, c'est un nouveau jeu! Et tu trolls, mais moi je précise pour des gens qui sauraient pas. C'est pas le même studio! J'aurais pu? Je peux plus de cette semaine. Demain j'ai rendez-vous à 9h. Et pas d'autre choix. Un autre à 14h, vivement samedi. T'as des rendez-vous tout le temps, j'ai l'impression, toi. Mais vraiment, où sont les portes? Mais grave, où sont les portes, bordel! Oh, bah là, je peux le mettre là. Où c'est là? Pas besoin de porte en fait, vu que c'est moi qui gère. Un bas pour un interview deux heures de 30 tonnes. Mais non, je fais pas un deux heures, c'est un mignon deux heures, regardez. Regardez son petit gros nez de mignon là. Regardez son intérieur de corps mignon. Il a une grande gueule, hein. Peut-être la planter, Monia. J'étais obligée, celle-là. J'étais obligée. Il est creux. Tu t'es vu dans ton intérieur? Tu crois que t'es plus rempli? Ouais, peut-être. Alors. Alors, il a besoin d'un petit peu d'eau. Donc, on va mettre un petit peu d'eau. C'est un mal, oui, bon. Je le pensais pas, de façon, c'est une diagounette. Alors taisez-vous et faites pas de clip. Hop là, petite flotte. Je crois qu'il a pas besoin de beaucoup d'eau, donc je pense que ça va. Welfare. Un peu du pumpkin. Du coup, je te mets une petite pumpkin. Hop. Ensuite. Habitat.
Ok, ça, ça va. Nature. Plante biome. Mais ça va être chiant, par contre, les biomes, là. Terraforming. Hein? Attends, je comprends pas. Regardez, là-haut, il y a des... Il faut du désert. Ah, désert. Le blonde. Coastal. Ça va être pratique. Comment je sélectionne? Total. Ah, je suis dans ce creux blonde, là. Oh, je comprends rien au menu. Ça rend dingue. J'ai que... Ah non, c'est là, ok. Désert, creux blonde, crotal. C'est n'importe quoi. Creux blonde, ok. Faut que j'ai des herbes de creux blonde. Ah là là, ça fait tout bizarre. Ah, la musique, tu vas te détendre. Oh, ah, mais c'est tout moche. Comment je reviens en arrière? Mais le jeu apprend-moi à revenir en arrière. Tu vois bien que je vais vite en avoir besoin. Ricard, tu fais n'importe quoi. Oui. Je veux pas, ça veut pas supre. Terminate. Non, mais non. Bon, on efface, c'est pas grave. On s'occupe pas de ça. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Ça, déjà, prends. I'm learning. Non, mais forest, mais y'a trop de forest. Y'a trop de water aussi. Ah, y'a crystal. Ah, voilà, ça, c'est bien par contre. Faut que j'arrête, il y a trop de forêt. Faut que j'enlève un petit peu d'eau. Attendez, j'apprends. En fait, water, c'est déjà trop. Je comprends rien. Il y a pas d'eau, il dit qu'il y en a déjà trop. Ah mec, t'en as plus là, en fait. Là, t'as plus d'eau. Sheltered space. Nature. Non mais si je mets plus, il va avoir plus de forêt, il va pas aimer. J'arrive hein. Mais quoi? Postal. Outland. Désert. Il faut du désert. Mais j'ai pas de désert. Je veux pas. Merci. Mais j'apprends. Tout sélectionné et hop, ça te fait une forêt de plein de trucs. Est-ce pas mal, hein? Qu'est-ce en pensez-vous? Ouh! Water needs. Mais le truc, c'est que il a pas de water needs, il m'emmerde. Habitat. Mais qu'est-ce qui va pas dans ton habitat? Qu'est-ce qui va... Là, ça, c'est bien. Ok. Mais non, c'est pas bien. Mais pourquoi il met un gros check? Ah, il faut ça. Je sais pas. Je vais lui mettre, mais je crois qu'il en a pas besoin. Je vais lui mettre. Il met... Mettre là. Voilà. Ah ouais, et shelter. Reviens, t'es où? Foliage. C'est quoi foliage? Un modo sapiens? Modo erectus? Vous du chat, en fait, on se barre. Mais non, mais j'essaie d'apprendre, vous m'aidez pas. Arrêtez. Eh, Hertz, tiens, pour savoir si t'es plus intelligent que tout le monde. Info ou intox, les bourdons ne piquent pas. Tiens, est-ce que c'est une info ou c'est une intox? Info ou intox, les bourdons ne piquent pas. Nouveau jeu, tout à fait.
C'est Prehistoric Kingdom, salut petit hémoglobine dark. Il est où mon dino? Viens là! Oh, il est en train de mourir parce qu'il est malheureux. Mais putain, ça va pas, mais je fais ce que je peux. Il dit qu'il y a trop d'eau. J'ai enlevé toute l'eau que j'avais mis. Info, intox, je dirais. Mais punaise, mais vous êtes tous nuls, oh là là! Bien sûr que les bourdons, ça pique, là! Déçu, personne là! Intox, je dirais, mais Sirfarm, t'étais là tout à l'heure. Info, on a dit, mais arrêtez de dire info, les bourdons, ça pique! Bordel! Ah, là, je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient là! Encore un jeu pour ses futurs arrière-enfants. Mais arrête, non, je terminerai un zoo un jour. Promets. Mais si, je vous dis. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être que... Ah, ok. Peut-être que j'ai... Shelter Space. Non, ça c'est bon. Inanis. Grâce à... Est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut comme... Exhibit Crowding. Je comprends rien, hein. Pas crowding. Ah, je suis en QWERTY. Surpeuplement. Bah, c'est que ça va alors. Y'a pas de super surpeuplement. Ah merde, tu m'y... Ok, nature alors. Mais voilà, il y a encore un bruit d'eau. Et c'est pour ça qu'il trouve qu'il y a trop d'eau. C'est parce qu'en fait, le jeu considère qu'il y a encore de l'eau. Connard de jeu. Pardon. Il n'y a pas d'eau là, mec. J'ai enlevé toute l'eau, en fait. Là, je suis en armée un peu. En fait, ça marche pas dans le vélo. L'animal considère toujours qu'il y en a. Là, je comprends pas. Je ne comprends pas tout. Je pense qu'on va quitter le tuto et qu'on on va aller dans la création, hein. Juste péter un câble. Allez. Oh mais c'est bon, je ne vais pas avancer, ça va m'énerver. Allez, on crée un parc. Oui. Alors, Spain, United Kingdom, Costa Rica. Spain, United Kingdom, Costa Rica, Spain. Oh, Costa Rica, c'est pas... ça craint ça, non? C'est pas près du Costa Rica où il y a le Jurassic Park? Et où du coup ça nique tout? Et où du coup il y a plein de tempêtes et tout? C'est au Costa Rica, non? Je sais plus. Faut choix, effectivement. Sans doute, on va peut-être aller au Costa Rica. Ouais, je vais peut-être faire ça. Easy difficult. Ouais, easy. Challenge mode. Sandbox mode. Voilà! Unlock all animals. Bah oui, quand même. Caractère dialogue, ça dégage. Infinite power, oui. Infinite durability, oui. Unlock all research, oui. Use science point, unlimited. Use money, unlimited. C'est bien. Quoi de dingue.
Trop de termes que je connais pas. Comme sur QWERTY. Teneur. La teneur en animaux. Ça va très bien. Let's go. Infinite power. Même pas la France. Non. Je peux pas avoir de dinos en France. À cause de... des bretons. Chercher un truc, j'ai pensé à Jax. Du coup j'ai dit voilà, à cause des bretons. Allez, est-ce que je peux mettre en pause? Ah là c'est sympa là, regardez-moi ça. Oh, mais c'est ravissant et il y a de la flotte les amis. Mais je suis ravie. Oh, mais c'est pas haut. Michel Drucker, c'est quoi alors? Tellement vous là, ça dénonce un petit peu trop dans ce chat. C'est l'entrée, elle est belle l'entrée. Ravi, ok. Ça c'est le tuto, mais je m'en fiche. On a quoi comme chemin? On va essayer de faire une petite entrée sympatoche. Ah, ça c'est déjà l'entrée en fait. Il va falloir qu'on fasse une place centrale peut-être. On regarde un peu la taille. Ah, tout ça, c'est le parc? Mais non. Non, mais non. J'ai arrêté forcément avant. Attendez, c'est vraiment ça, le parc? Il est vraiment immense comme ça, le parc? Il est giga grand, j'ai perdu l'entrée? Waouh, je pensais pas qu'il serait aussi grand. On parle du parc, hein. Ah ouais. Je vais réparer le live. Comment ça réparer le live? Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis gazé. Je casse pas hein. Essaye Dino tranquille. Vendy, arrête de vouloir bouffer tout ce que tu croises. C'est fou. Y'a pas un petit retour en arrière là? Ah si, si. Ok. Par contre, pourquoi c'est... Ah, y'aura une toolbox pour les chemins. Passe mon mode. Lignard. Pas changé, bordel. Ça m'énerve. La musique, par contre, tu vas bien te calmer. Elle est insupportable. On va l'arrêter. Non, mais non. Elle est giga chiante, la musique, là. J'avais un petit peu marre. Ok. Alors. Hier c'était pas cassé. C'était pas hier, c'était avant-hier. Bisous Fear Farm. Bonne soirée. C'était pas hier, c'était avant-hier. Ou avant-avant-hier. Mais non, c'est pas qu'il était cassé, c'est que j'ai lancé OBS. Pour la première fois en live. Et avec tout n'était pas parfait. J'ai la flemme de retenter depuis. Ouais, on voit quelque chose. Mais... voilà. Oh mais ça superpose avec l'autre truc. Zut. Le contrôle Z, il marche pas. Je suis privée du chemin en fait. Faut que j'apprenne ça. Hein. Oh non. Ouais, j'essaie contre le W. Et en QWERTY.
Cancel. Ça cancel pas du tout, Cléora. D'accord. J'ai de placement. Bah oui, je veux supprimer. Supprime. Ok. On va faire ça. Hein. Pour le moment, nous ferons ça. Est affreux. Non, y a pas de contrôle Z, ça rend fou. Quand je fais supr, ça marche pas pour prendre ça. En fait, ça me gêne, je peux pas modifier. Ah si. Voilà, parce qu'en fait, ça sert à rien, enfin ça fout le bordel. Oh, ça c'est joli comme petit chemin. Contre, mettre en plus petit. Oh, c'est tout petit. Non mais ça va faire une tub encore. Non, je vais pas faire. Je sais, je vais faire deux chemins qui partent et au milieu il y aura une déco. Dire que c'est droit. Hein. À droit. Ah mais ça enlève tout. Oh non, ça va être chiant. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Voilà. Fait une tub ou pas? Franchement pas trop. Non mais ça va, ici je mettrai des petites plantes. Et voilà. Non, on va pas commencer. Hein. On va pas commencer. Alors. Voilà, ici on va laisser la possibilité d'aller à gauche. Et là, d'aller à droite. Au milieu, je mettrais bien un petit bâtiment. C'est un test, hein. De toute façon, on n'a pas du tout qui est débloqué, tout ça. Alors. Visiteur entrant. Ouais, d'accord, je vois. Qu'est-ce qu'on a comme truc? Bathroom. Kiosk fast food. Kiosk T-Rex. J'avais un truc d'information. Pas. Qu'est-ce que nutrition? Shopping. On a pas un truc à shopping? Ah, c'est que des trucs à boire ou à bouffer ou à manger? Oui, tous. Ouais, ça aussi. Zut. On va essayer de créer un bâtiment. Ça se voit sur les côtés, ça. Oh non, d'à côté, il doit y avoir de la déco. Oh, c'est pas droit. Bon, hein, voilà. Un peu quand même. Non, ça fait pas une tub, arrêtez. C'est vous la tub. Ne te dis pas ça, hein. Oh, mais c'est pipou, ça. Ah, mais c'est ouvert de l'autre côté, c'est chiant. J'aime bien l'effet que ça fait. Je peux personnaliser, du coup? Non, j'ai pris ça. Genre là je peux prendre. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Typiquement je prends du bois et je peux changer la couleur du bois.
C'est vraiment pas mal. La pierre. Je vais changer la couleur de la pierre. Un bois vieillissant. Ou alors un peu vert. Du bois un peu vert, ça peut être mime ça. Ça aussi. Ah non, ça je peux peut-être pas personnaliser ici. Copying module. Enfin, je peux éditer les trucs pour le par rapport au shop, c'est plus pour. Quoi ça? Ah ouais, je vais prendre ça. C'est mignon ça. Ah ouais, c'est mimes. Ok. Par contre, derrière, il va falloir que je fasse quelque chose. Ça, ça va pas. Voilà. Ça, c'est normal. Là, il est ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en déco? C'est un petit bâtiment à la con, c'est juste pour tester ce qu'on a. Des murs. Eh, des murs. Oh, on a des petits trucs comme ça, fais voir. Bien ça. Ça me plaît bien ça. Ah voilà, des portes, des fences, des trucs. Moi je voudrais voir. Ah ouais, bien des petits éléments. Fais voir la taille. Ok. C'est quoi ce truc? Ah, un truc de stockage. Oh, mais c'est trop mignon, regardez la petite scène. Et là, regardez, il y a plein de petits objets. Il y a du détail. Ça manque énormément dans Planet Zoo, le détail. Je m'en plains tout le temps. Des petits échos. Ben voilà, c'est ça que je veux. Des trucs dans le chat. Salut, Tirou. Ma chère cousine. Toujours des tubs dans tes jeux. Comment tu expliques ça? Mais non, c'est pas des tubs. C'est vous qui voyez des tubs. Avatar 2 est prévu pour 16 décembre 2022. Bah dis donc. Je commençais à me demander s'il était vraiment toujours prévu. Ah oh ouais, c'est stylé ça. Pour le moment, on va faire un shop un peu classique. On va pas prendre des trucs comme ça. Ok, là on peut choisir des lettres. On va bien voir un petit peu de la déco au niveau des murs. On a des plantes. Et après, bah, des plantes. Ah. Ah, ça c'est des effets. Genre fumée et tout ça. Ok. Ah, par contre, au niveau des murs et tout ça, c'est pas fameux les décos. On va prendre un petit truc pour abriter. Enfin, je vais toujours être dans ce groupe là. Toujours dans le groupe, hein. Oui. Ah. Un message Teams. C'est bien. Attendez. Fermez Teams. Une petite seconde. Je vais mettre en pause une seconde, hein, juste pour faire mes teams. Bah, ah bah non. Non bah j'ai rien dit, teams est bien fermé. Il m'envoie des messages. C'est bon, je suis là. Moi, Lox. Ouh, ça va. Je voudrais monter ça. Voilà. Cancel plus rotate. Oui mais... Ah, en hauteur. On va faire alignement sur la surface là. C'est l'angle. Surface. Ah, c'est déjà mieux ça. La pression est un peu bizarre. Faut appuyer souvent plusieurs fois pour que ça fonctionne. Je sais pas pourquoi. On va mettre un petit truc comme ça. Encore une fois, c'est du test. Est-ce que la couleur que j'ai choisie... Ah, c'est mal mis. Je peux la retrouver facilement. J'ai l'impression.
c'est bien dommage. Ah non, mais non. Ah si, ça revient en arrière. Ah si, ça revient quand même en arrière. C'est là que je voulais sélectionner. Comment je déplace? Comment je... Ah, comme ça. Ok. Et rouge. Ça modifie pas sa couleur, pourquoi? Ah, split form group. Ah oui, je voulais pas split. Ah. Là, il y a les dernières couleurs. Ok. Mais bon, bah j'ai dû appuyer sur ton truc depuis. Au pire, on fait une autre couleur. Un peu plus foncé. Voilà. C'est difficile d'être précise. On va dire que c'est bon, c'est ok. Attendez, on finit de personnaliser ce truc. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc porte, pas dingue. Ah, des petits trucs comme ça. C'est bien ça. J'aime bien un axe X, Y, Z précis pour pouvoir bien déplacer. Rotate V. Ça marche pas. Quoi V sur un truc QWERTY? Mettre au bon. Bah c'est le même. Ok. Bah ça marche pas. Voilà. Tant pis, hein. Ça veut pas faire ce que je veux, tant pis. Genre, je m'adapte, wesh. Oh, ça peut faire genre, c'est un panneau. Franchement, ça fait un peu genre, c'est un panneau, non? Ça reflète de fou. Je peux en mettre de chaque côté. Allez, bon. C'est très chiant, j'aime bien. On va mettre des trucs dessus, vous inquiétez pas. Enfin, ce peut-être, je verrai ce que je peux mettre dessus en fait. Ah, mais voilà, ça, il y a peut-être des trucs qui m'intéresseront, je sais quoi ça. Ok. Structure kit. Ah ouais, des colonnes de bois, de bambou, de métal ou de pierre. Oh, ça, j'aime bien ça. Des chiottes. Je vais mettre celui-là par contre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Ah là, je peux faire un petit chemin. Pour le bord, c'est bien. Non mais V, ça marche pas. Je peux pas. J'ai du mal à faire en hauteur. Ah oui, comme ça.
Pas très précis. Hein. Bon, moi ça va, j'aime bien quand c'est art is now. Mais quand même pas très précis. Il y a des ponts déjà tout faits. C'est vachement bien. Des allées en fait, mais ça peut servir de pont aussi. On est ouvert. Change size. Ouais. Left alt. Ça marche pas. On peut changer la taille des trucs, c'est cool, mais j'aimerais bien savoir. Les touches qui marchent pas, ça rend dingue. Shift, ça marche. Là, je fais left alt, ça ne fait rien. Oh, ça c'est cool. Ah, ok. Bon, ça peut marcher comme ça. Ok. Ça sera pratique pour le moment. Ça a changé. Ça c'est quoi? Ah, petite guirlande et tout. On va mettre des petites guirlandes. C'est très chiant. Des petites guirlandes, ça? Ah ouais. Ouais, voilà. Il y a ma lampe déjà. Oh, c'est très bizarre. Je tente des trucs. C'est des lampes, ok, mais c'est pas dingue. Ah, là on a de la déco et des petits trucs trop mignons. Une chaîne, ok. C'est quoi ça? Ok. De bras zéro. J'aime l'idée. Des cordes! Des cordes, j'ai dit. Ça marche très bien. Pourquoi il y aurait un tronc ici si je pose rien dessus? Bizarre. Une statuette, ouais, un truc comme ça. Un fémur. Je vais poser un putain de fémur. La 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 la. Moi, ouais, c'est un peu too much en fait. Je vais rendre tout petit, je vais essayer. Ça va, il est petit? Il est petit. Et maintenant, je vais le décaler. Ok. It's ok. Maintenant, je vais mettre des plantes. Ouais. Maintenant, je vais mettre des plantes. Qu'est-ce que je peux mettre en plantes? Ah, déjà, on peut mettre des lianes. J'aime bien ça. Ah, les lianes. Ah, mais des trucs de... Le truc sur... attendez. Le truc sur la surface, il fait nawak.
Mais où est l'objet sinon? Là j'ai un truc dans la main normalement. J'ai plein de bordel au-dessus. C'est mon truc ça, de foutre du bordel. Sélectionner plusieurs fois, hein. Sinon ça veut pas. Ah, regardez, c'est pas droit, on dirait. Voilà un peu tout ça, non? Non, ça va. Par contre, c'est mal mis? Oui, ça oui. À chaque fois, faut que je clique deux fois. Je vais m'y faire. Hitbox du truc, c'est marrant. Ah, ultra marrant, mais c'est un petit peu marrant. Ah, les plantes, c'est même, c'est un peu les mêmes d'ailleurs. C'est rigolo. Connaître la, l'origine de la première Lox. Loxtralopithèque. C'est pas mal! C'est pas mal. Bravo! Ça marche si mais ça a bien collé. Pas dingue. Ça marche mais c'est pas. Faire ça parce que le raccourci marche pas. Ça m'embête. Faire une mission à surface, mais c'est vraiment encore pire. Faut vraiment refaire les binds, je pense. On se met à ce jeu. On va pas rester 3 jours là-dessus, hein. C'est juste pour voir un petit peu les outils, tout ça, tout ça. Ah, c'est affreux. Là aussi, c'est un panal, je dois mettre des trucs dessus. Miaou.
beaucoup pour ça, Alexandre. Où allez-vous donc? Le Costa Rica, il faudra des trucs un petit peu plus... plus qu'il fasse rêver, là. C'est pas arrivé, ça. Bon, on fait ça aussi. Ah, du coup, il manque quelque chose sur le côté. J'ai essayé ça. Bref, c'était pour voir comment marchait le shop. On a vu. On va mettre un petit chemin. On n'a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin transparent. Ça, c'est une bonne invention. Ça va. Bon. Ok, on a minuscule bâtiment nul. Ah, on va voir pour faire un enclos. Un bon espace ici. Un bon début d'enclos. Closure. Qu'est-ce qu'on a comme bébête? Ah, il faut des infrastructures d'abord. On va les mettre. C'est la nurserie. Ah, elle est trop balèze. On voit pas où elle est entrée. Là, j'imagine. Probablement. Mais elle a pas besoin d'être reliée par un... quelque chose par le chemin? Non. On fout. On fout total en fait. Ah, je peux la créer moi-même la nurserie, lui donner un look. Ok, c'est bon, ça va. Je vais quand même mettre un chemin. Bien que ça m'étonne. Que ça marche pas. Je mets un chemin. Bizarre, il me propose pas de relier, c'est trop bizarre. Alors, quel bébé tu peux avoir? Nursery menu. Ah, voilà, là on passe aux choses simples. Oh, mammouth, Smilodon. Oh, c'est trop stylé. Il n'y a pas de dodo par contre. Récupère ça chez le voisin tchèque. Bon, tu vas, bah, ça va, ça va. On découvre Prehistoric Kingdom. Un jeu de création de parc préhistorique. J'avoue que je rêve de voir des mammouths en fait. Même si ça n'a pas de sens. Mettre les mammouths. Mammouth des steppes, mammouth primal, mammouth glacial. Mal, j'aime bien. On va faire une femelle comme ça. Alors, un truc de mammouth dans un endroit exotique, je suis vraiment débile. Mais j'ai envie de tester. La première fois que je vois des mammouths dans un jeu depuis... de Tycoon 2. Alors je veux. On a les Modern Fence. Quoi? Ouais, c'est pour Observed. That's for Observed. Ok.
des connards et j'en joue pas. Merci beaucoup Lucia TV. Merci beaucoup. Les dinos éco plus. Mais non, faut arrêter, ils sont bien les dinos. Oh, on est trop en arrière. Oupsie. On va peut-être pas faire... Non, enfin, on va peut-être faire les dinos classiques au départ. Merci beaucoup. Vous étiez du coup sur Prehistoric Kingdom aussi? Vous avez découvert ou pas du tout? Salut à tous. Salut Hector El Chupacabra. Salut ton père. Salut Albataru. Salut Cassandre. Salut Air... Air d'Alice. Salut Kaderly. J'essaye de pas écorcher. J'y arrive absolument pas, mais j'essaye. Non, mais tu vois, il y a T-Rex. Pas éco plus, un T-Rex. Un T-Rex, ça défonce. Oh, un T-Rex avec des plumes. J'aime beau. J'aime beaucoup, j'espérais un T-Rex avec des plumes. Vous savez quoi, on met d'abord des Parasaurophus. C'est sympa les Parasaurophus. On va mettre autre chose en fait. Oh, on va mettre des petits trucs tout petits. On n'a aucune idée, je suis enthousiaste. Triceratops. Un Rex, ça a l'air bien. Tu veux un Rex d'abord? On commence direct par le T-Rex plumé. T-Rex, ça claque. Ok, ok, on va commencer par un T-Rex avec des plumes. Pas de différence mâle-femelle. Moi, je veux avec des plumes. Hein. Des os, il aura forcément des plumes. Hein. Pas le choix. Bonsoir, Mato, merci beaucoup. Bonne soirée à vous deux, merci. T'es sur le tournoi de hockey sur glace sur Minecraft. Pareil, même ambiance. Ou pareil. Du smilodon. Mais oui. Mais en fait, on va peut-être faire un côté ici normal. Quoi qu'on va pas le faire. Bon, je verrai. Et là, un côté glace. Du coup, je vais mettre le smilodon. Ou alors step, plutôt. On va mettre smilodon et... mammouth. Zéro faute, merci. Une poule non plus. Bah, seule différence, c'est la taille. Hein. Les dinosaures et les oiseaux, c'est la... Les oiseaux sont juste des descendants directs des dinosaures. Voilà. Du coup, de fortes chances pour qu'ils aient des plumes. Ils aient eu des plumes. Donc moi, je leur fais avec des plumes. C'est trop bien ce jeu en fait. Eh ben oui, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un Planet Zoo avec des dinosaures et des animaux préhistoriques. Il est que en early, il est sorti hier. Et du coup, on teste un petit peu. Là, je suis vraiment en mode nawak. Voilà, j'ai testé de faire un tout petit bâtiment à la con pour voir ce qu'on pouvait faire. J'ai un peu regardé le tuto, mais il y a un truc à bugger. Du coup, je pouvais pas avancer. Ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté le tuto. Et là, on va voir. Est-ce qu'on a des indications de sécurité pour le T-Rex? Parce que moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il... Non, on n'a aucune indication. Ah. D'accord. Et c'est pas, ça va être beaucoup plus possible niveau personnalisation et décoration que le serein à Jurassic World Evolution. J'adore les rimes en ion. Ion. Du coup, ça va être bien. Simplement. Ça, c'est du métal. Ça, c'est de la glace. Franchement, les T-Rex, ça casse la glace? Non. Les T-Rex, ça casse pas la glace. Est-ce que je peux changer la couleur des fences? Je peux pas, parce que là tout blanc comme ça, c'est vrai, ça va niquer les yeux. Moi en tout cas ça m'énerve là. Oh là, tout de suite je me sens mal. Bon, allez, on va faire l'enclos du T-Rex, des T-Rex. On demande beaucoup d'espace, je crois. Oh, c'est des grosses bébêtes quoi. Pas ce que je fais, mais je pense que là c'est un bon espace. Oui, c'est un bon espace. Ensuite, là je vais faire comme ça. Same de l'autre côté. Je vois rien du tout, c'est super. Trop d'arbres. Comment je vire les arbres? Tree removal. Ah, thanks. À peu près là.
Je suis pas du tout à peu près. Oh, oh mais c'est... Moi je suis comme ça, je suis là, ouais, c'est là c'est droit, c'est d'être parallèle et tout. Ah putain, j'ai vraiment, mais... C'est pour ça que je fais jamais des trucs symétriques, c'est que je ne sais pas les faire. Bois de l'eau. Pour l'architecture. On est sur de l'abstrait. Pas fait exprès. Je vois rien là. Je peux pas changer l'heure. Non. Bah c'est pas grave. Et bah c'est pas grave, j'ai une super lampe. Ah ouais, non, là on voit moins bien. Attendez, non mais je vais régler ça. Je découvre. J'essaie de faire par rapport au chemin. Je suis encore un peu plus grand. Mais je vois rien ! Pardon. Non mais j'ai enlevé la pause, tu con aussi. Bon. Non mais si, je vois à peu près, c'est pratique, c'est une barrière blanche. Quoi ? Ouais, c'est bien là. C'est bien. Ça c'est bien. Je vois rien ! Ça passe. Is okay. De rester sur le droit chemin. Et c'est tout pour moi. Que faire quand le chemin lui-même n'est point droit? Et du coup, est-ce que je peux mettre... Je fais quoi? Je mets de la vitre? Non, mais non. Ah, je vais mettre ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, je vais mettre les modernes, et là, du coup... Ah! Ah, mais ça, c'est plus... Vous voyez qu'il faut les grandes là comme ça. On voit rien à travers, ça va être chiant. Moi je veux qu'on voit les dinos. Tu vois pas les dinos? Il fait jour un jour? Juste pour. Je demande. Bon. Je vois rien du tout. Ensuite, on va continuer avec ça. Mais c'est con, le... C'est plus petit. Après, on continue avec ça. Ce que je fais, ça n'a aucun sens. Pas grave. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci beaucoup pour le follow, Hector El Chupacabra. Le Chupacabra. Merci, bienvenue. C'est pas le même. J'ai pas mis le même. C'est un 3 et j'ai mis celui-là, je crois. Et merde. Je remplace. Allez, je remplace. Ok. J'ai le chemin qui est déjà tracé. Je vais faire jour en plus. Un nouveau jour commence pour une nouvelle aventure. Voilà. Hop. Ni vu ni connu. Des arbres. Ah mais là j'avais mis ça. Est-ce que ça fait un enclos là? C'est bon? Parfois ça fait pas un enclos. Ok. Et là c'est bon. D'accord. Je pense que c'est bon. Je suis obligée d'attendre qu'il fasse jour. Hein. On est au mois de mars, il a pas fait jour depuis février. Pas facile mais on s'adapte, c'est ça le Costa Rica. Laisse-nous te guider, fais-nous confiance. Bah oui, bah guidez-moi. Moi aussi, mais avant, je follow cette chaîne. Je follow car cette chaîne a l'air intéressante. Bonne nuit, bon stream. Merci beaucoup pour le follow, bonne nuit.
Oui, ça aura déjà le temps de voir les Rex avant de se faire bouffer. Mais non! Tout de suite, non mais on voit rien là, regardez-moi ça. Il y a même pas... Il y a rien qui passe à travers. Un motif. Du grillage ça? On voit rien! Mais je vais pas mettre ça! On voit rien. Mais on voit rien. Il fait... Faut qu'il fasse jour là, j'en ai marre. On avance rapide. Attends, je crois que je peux changer. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi. Extrêmement forte en fait. Je vais remettre la musique qui s'est arrêtée toute seule. Non mais on voit rien, non mais on voit carrément rien, je vais pas mettre ça. C'est ridicule. Je vais mettre ça. Hein. Pas le cipo. Hein. Nanana. Comment j'enlève les fences? Ah c'est là. Je vais tenter autre chose. Je vais tenter... Ah ça c'est mieux ça. La même chose. Non c'est pas la même chose. La même chose. Ça va, ça j'apprends. I'm learning. Celle-là, on verra mieux. Ouais, là, on verra mieux, ça va passer, ça. On va quand même mieux, hein. Oui, ça va aller. Oui, ça va aller. It's ok. Non. Et du coup, je virais ça. Non, mais si on peut pas avoir les T-Rex, quel intérêt d'avoir des T-Rex, j'ai envie de te dire. Je suis prête à dépenser sans compter pour qu'on les voit, quoi. Ok. Ensuite, on va mettre les T-Rex, je pense, dès maintenant. Oh, j'avais pas vu ce menu. D'accord. Où sont mes T-Rex? On va les chercher. Théo et Etania. Non, je veux pas les... Ah. Ouais, regardez, j'ai deux tiresques. Rex. J'ai deux tiresques. Merci Asmo. Beaucoup. Bonne fin de soirée. Salut Kaderly. Kaderla. Bonsoir. Bye bye à ceux qui vont se coucher. C'est petit en fait. On va voir comment ils sont heureux. Ah ouais, mais c'est vrai qu'ils ont bien être à fond. Je joue en mode facile. Il y avait des bugs aussi, je pouvais pas faire autrement. Alors ils aiment bien ça. On va leur mettre ça. On va leur mettre un petit peu de flotte. Je vais en mettre un autre là-bas. On va mettre un petit peu d'eau. Un petit peu. Voilà, ils aiment bien qu'il y ait un peu de water. On va voir la water. Bien ça. Très bien. Et on va regarder le sheltered. Il y a des deux gros, il y a des crottes. Regardez. Regardez-moi cette grotte. Et on peut regarder à l'intérieur, c'est déjà... Mais c'est tellement bien fait en fait. Oh, c'est trop petit. Ouais, c'est trop petit. Après, on peut la construire nous-mêmes, je pense. On peut le construire nous-mêmes, le shelter. Alors ça, c'est de la nourriture. Pas de la viande, mais je mets quand même. C'est quoi? C'est pas de la viande, ils s'en foutent. Quoi ça? Dung Beetle Nest. On va mettre un petit Dung Beetle Nest au cas où. Salut, Boulgoire. Boulgoire à toi.
le dinosaure qui est plus beau, je m'approcherai plus du dodo, je vous l'ai déjà dit. Ça va, ça a été, t'as fait quoi? La muscu tous les jours maintenant, à 23h, je suis épave. Ah ouais, tous les jours? C'est pas un peu dangereux pour tout ce qui est l'ossature et tout ça, pour les articulations, d'en faire tous les jours? Que comprendre que c'était pas terrible. Et bravo à toi en tout cas. Mais attention! Est-ce que je peux... J'aimerais bien voir comment construire des habitats. Enfin, des habitats, des trucs pour les animaux. Avec des énormes troncs. Très bien ça. Énorme. Troncs qui sont trop énormes. Du dessus. Ouais, ça devrait le faire. Je vais le mettre un petit peu en biais. On va faire un groupe d'objets? Je vois pas où c'est. C'est un raccourci que je connais, mais bon. Ah ouais, ouais, ok. Duplicate. Pas bien mis. Ah c'est mieux. Alors je t'ai mis n'importe comment en fait. Sachant que je ne fais pas les mêmes groupes musculaires une séance à l'autre. Ah ok. Eh ben, bravo. Sur ce qu'il faut pour ce jeu. Ah bah pour les jeux à la planète des oeufs et compagnie, oui. Après on n'est pas... Ah bon, celui-là, c'est un jeu, c'est un une early. Du coup, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas, effectivement. Enfin, vaut mieux être un minimum patient ou patiente. Mais pour Planet Zoo, par exemple, entre le workshop et puis ce que le jeu te met à ta disposition de base, tu peux, si tu as juste envie de te concentrer sur la gestion ou sur juste le bien-être de tes animaux, sans spécialement faire tout ce qui est déco et tout, tu peux le faire. Parce que bah, t'auras des trucs jolis déjà à disposition, ne serait-ce que par le jeu. Et bien sûr, les workshops, mais ton ami, la commu aussi. Pas très droit, hein. Pas très... Oh, je sais, je vais mettre de la corde. Ça fera stylé. Baby, la corde. Eh bien, je sais plus où c'est. Je crois que c'est là. Mettre des cordes, des grosses cordes. Ouais, voilà, du coup. Je suis trompé de touche. Ah, je m'en doutais. Voilà, comme ça, ce sera plus logique. Là, deux troncs qui sont reliés. Là, on est bien. Ensuite, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le feu. On va pas mettre le feu. Que je peux faire? Je peux faire ça. Ça marche pas. Et faire tac. Et après, on décale un petit peu. Le but c'est... Non, je vais faire copier. T'as pas copié? La sélection multiple, elle marche pas de fou. Duplicate, voilà. Exactement dans le sens que je veux mettre. Ça fait un abri pour des T-Rex ça? Ça va non, ah, c'est un peu petit. Hein.
Oh, ça ira bien. Franchement, ça ira bien. C'est super petit. Je le fais sur deux. On va laisser comme ça pour le moment. Je teste. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Ouvrant un truc comme ça, par exemple. Je mets des plantes dessus. Ce sera joli. On va faire ça, hein. Moi, j'aime bien faire toujours ça. Comment je fais ça? Faut planter des arbres en empilant des bûches. C'est pas un arbre, c'est des bûches. Mais ça vient des arbres. Ce n'est pas des bûches. On mange à Noël. Surcoté. Faut que j'aille en avant cède, mais ça veut pas. Je peux faire un peu en mode toit comme ça. Je vais tester. Imaginons je fais ça. Comme ça. On mettra quelque chose en dessous pour que ça tienne. Je teste, hein. It is just a test. Là, je vais copier. Et du coup, si je fais ça. Et que je copie. D'accord, ça n'a pas marché comme ça. Comme ça alors? Ça me saoule parce que ce sera pas le même angle. Ça va me saouler! Et oui, voilà, moi je voulais faire le même angle. Ah, ça m'emmerde! C'est pas le même angle, toujours pas. Ça me saoule. Un peu en décalé aussi. Je vais tenter un truc. Tac, tac, tac. Et si je copie maintenant? Et après, je replacerai les bûches en fonction. Ouais, on va faire ça. On va replacer les bûches en fonction du placement du toit. Et puis c'est tout. Les bûches, je peux les mettre à l'extérieur aussi. Est-ce que ce serait plus logique qu'elles soient à l'extérieur? En dessous, non, en dessous avec des trucs qui... C'est tout comme il faut, non? Bah, c'est pas trop en dessous, en fait, là. Ouais, l'angle, c'est plus le même. J'ai fait un alou. Comment allez-vous projeter dans des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Il y en a déjà. Ils ont des plumes. Regarde-les comme ils sont beaux. Mais T-Rex sa plume. On dirait un boss de World of Warcraft. Il est magnifique. Il est juste magnifique. Il est plus beau que vous tous. Un petit coup de... mais... Ah, ça arrête pas de superposer les trucs. Ça veut pas. Ok. Allez.
j'ai copié, je voulais pas du tout. Ah voilà, did. Ah, c'est à peu près le bon angle. C'est good angle. Ça dépasse des deux côtés. Non, c'est possible. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ah, j'ai tout décalé. Je me déteste. J'ai tout niqué. Pas nickel en fait. Que c'est bon. Ouais, c'est à peu près bon. Faut juste que je fasse un truc. Là, c'est bon. Là, c'est bon, là, c'est bon. Tout va bien. J'ai réparé. C'est bon. J'ai copié, je voulais pas copier. Promis, je voulais pas, je pas fait exprès. Mais non, ah non, j'ai pas copié du tout. Ça. Ça marche pas, ça rend ouf. Cache. Voilà. Alors maintenant qu'on a ça, il va falloir que je trouve un petit truc ici à mettre pour fixer. On prendrait bien. Oh là là, on a des trucs comme ça. Ok, et maintenant si je camoufle avec la corde le fait que ce soit bizarre, qu'est-ce que ça le fait? Ou alors des trucs comme ça après. Peut-être qu'en métal ce serait mieux. Peut-être qu'on sait pas. Je vais pas faire en métal en fait. La corde. Et où la corde? Elle est là. En faire deux. Peut-être faire ça plutôt. Je vais peut-être en mettre deux. Voilà, ça me semble plus logique. Ah là là ! Non, je peux tout casser. Arrêtez, arrêtez, croyez en moi, s'il vous plaît. Moi, je crois grave en vous, alors croyez en moi, wesh. Sinon, je vais pleurer un peu. Mais là, ça sort ici, ça me plaît pas. Ah, je sais. Je peux faire ça. Je peux faire comment? Ah, dingue. Je mets des petits trucs comme ça, au moins on dirait qu'il y a de la corde ici. Ouais, je vais faire ça.
Et là, je vais changer l'angle. Gonna change angle. Là, ça va aller. Ça dépasse ici. Ça dépasse un peu. Oh, ça va, ça dépasse un petit peu. Tup. Ouais, sinon ça manque. Non, il manque quelque chose. Donc clairement quelque chose. Rien. Putain, je mets la lampe pourtant, mais ça marche pas. Ça marche pas, ça suffit pas. Ok. Maintenant on va se copier. Ah. Ça va être compliqué un peu. Compliqué de tout copier. On copie tout. Bon, je sais pas, ça copie quoi là? Ah si, ça a tout pris hein. Intéressant. J'ai mis ça où? Ouais, si, je peux pareil. Ah! Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci, Alpha. Glitch. Je me dis bien que j'allais dire Alpha Leech. Alpha Leech, ça me paraissait bizarre. VR, merci beaucoup! Tu crois en nous? Moi, je crois à fond en vous. Sauf un d'entre vous, je dirais pas qui. Entre vous, je crois pas en lui. Zéro. Mais ouais, voilà, l'angle disait chelou. Niqué, je crois. Ça m'énerve. Je vais copier tout. Je vais virer ça. Je peux pas, mais je le ferai après. Je vais copier ça, en fait. Ça m'agace. Ça m'agace un petit peu. Dégage. Vous, Earth is now. Ah, ça touche pas, ça touche pas. Il pèse une toute. Ok, ça c'est... Je peux pas super, ça marche pas, c'est terrible. Juste que je refasse les petits trucs là. Ouais bon. Et encore une fois, c'est Art is now. Vous connaissez. Je vais vous lire un jour, promis. Je vous lis avant demain. Et là, faut que je mette encore de la corde. Et copier. Non, copier. Non, je remonte un peu, c'est bien ça. Remonte un peu, c'est mieux. Pas très beau en vrai.
Mais ça va être beau. Ça va être potable plus tard. Ok. C'est compliqué. C'est très chiant. Bon. Dernière nuit de taf. Dans 30 minutes demain. Oh, il est déjà 23h34. C'est fou ça. On s'éclate aussi de fou. Ah, hop. M'énerve. Je peux pas y tourner comme je veux, ça m'agace de fou quoi. Voici Jay du Hollow Knight demain. Et oui, n'hésitez pas à mettre la pub. Les modos, merci. Merci beaucoup. Merci. Trop gentil, merci beaucoup. En plus là, le contenu de qualité que je t'offre le mérite amplement, effectivement. C'est pétinque. Non mais j'arriverai pas à faire ce truc en fait. Les outils t'aident. Porto. Sinon je peux pas remodifier comme je veux. Mais quel jour? Oh, on est jeudi. Ok hein, ça s'adapte, ça s'adapte. Adaptabilité, réactivité, stabilité. Là je vais parler de l'autre côté, comme ça j'aurai juste à décaler la poutre. Un petit peu. La bonne hauteur à peu près. Franchement approx, ouais, on va dire oui. Et là je vais faire pas rien. Et là, je décale ça. Avant, on va faire ça. Je décale ça. Putain.
bout d'un moment, ça va bien. Voilà. Ensuite, je décale tout et hop, on aura la base de notre abri. On va pouvoir décorer, mais ça devrait être mieux. Hein ? Ça va être mieux. C'est plus facile, quoi. Non, je suis pas fini ! Mais le jeu, tu vois bien que je suis pas fini, en fait. Beaucoup trop de travail pour un truc moche, hein. Un diplodocus, non, c'est pour un T-Rex. Ils sont tout juste, hein. Pour deux T-Rex plumés, regardez-les comme ils sont beaux. Regardez-moi ces magnifiques plumes. Ils ont l'air tout soyeux, mon gros poulet. Un grisionzor dans tes animaux. Dès que j'en ai un, je te promets qu'il sera là. Je l'appellerai Hémoglobine Dark, histoire de brouiller les pistes. Alors, je vais faire un petit truc, tiens. Juste pour la logique. Pas très bien, mais ça va le faire. Presque bon. C'est presque ok. C'est tout petit. Oh, c'est pas grave, je vais mettre ça quand même. Voilà. Bisous Alexandre, bonne nuit. Ils sont plus beaux que les T-Rex dans Elden Ring. Dans Elden Ring, c'est des créatures bizarres. C'est pas des T-Rex, c'est des... Non, ils sont trop bizarres. C'est des trucs chelous. Peut-être que je mets des trucs comme ça. Ça va être chiant. Raccourci de Planzo, mais c'est pas les mêmes. C'est vraiment pas simple. Allez! D'accord, ça veut pas. Aucune en fait. Mm-mm-mm-mm.
commence à emmerder ce truc. Fais ça vite fait et après on arrête. Ce machin là. Mais bon, je vais faire un truc joli. Un joli, potable, abordable. À peu près pas trop affreux. Voilà. Je peux. Le jeu veut bien. Ah oui, ok. L'angle il est pas bon. Allez, voilà. Mais il veut vraiment pas. Bon. Pour ce que ça change, en vrai, je me fais vraiment chier pour pas grand chose. J'en suis bien conscient. D'accord. Jamais voulu faire ça. En fait. Pas le bon angle encore, tout à fait. Oh, arrête! Moi, je mettrai des cordes. Ça ira bien. Allez, l'autre côté, et puis c'est bon. Oh non, évidemment, ça marche pas. C'est pas grave. Allez, ça marche presque. On va faire du presque, hein, ça suffira. Non mais c'est du presque. Oh là là, quel enfer! C'est même pas beau! Pourquoi je m'emmerde avec ça? Salut! Trapil! Comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi les bails? 15. Doum, doum, doum. Après on va faire autre chose. Là on fait ça et puis après on fait autre chose. On va mettre des plantes quand même je pense dessus. Comme ça va être chiant. Et l'angle il est pas bon. C'est bien. Ouais, on va dire que c'est bien. Bon. Alors. Non, ça va être dans déco, je pense. Pas dans terraforming. Et puis dans quoi c'est? Il y a des cailloux. Et tu sais quoi? J'aime pas vérifier. No joke. Oh non, j'ai mis de la flotte. Ça va. C'était une erreur terrible. Ah,
il y a des cailloux. Je vois des cailloux. Il est ok. Tout va bien. Tout va super bien. Alors, Almi sur la surface quand même là. Le cipo. Ah, ça va déjà mieux. Ah mais c'est tout petit. Ouah. Donc un bon jeu validé par XTV. Et des cascades. Ah bah ça les cascades c'est obligé. Obligé, il y avait que des cascades partout à la préhistoire. Moi je sais ça. Mais oui, ça va, tout va bien. Ah, j'avoue, on va faire une cascade, j'avais pas pensé à ça. J'ai perdu mes réflexes. Hein. J'oublie de faire une cascade, ça va pas. Bonjour, Plenzo. Ah, pas du tout. En fait j'ai la flemme de tout recouvrir et tout ça, même si c'était l'idée de base. Je suis pas assez à l'aise avec les outils, ça me saoule. Alors on va pas recouvrir tout en fait. Juste faire un petit peu comme ça. Sur les côtés. Et puis, ça ira bien. Hein ? On dit que ça va. On dit qu'ils ok. Moi je suis d'accord, vous êtes d'accord, on est tous d'accord. Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que c'est. Dedans dans la cabane. Ça va la moitié là. Ouais, ça me plaît pas ça. Non, toi tu me plais pas. Toi. C'est trop grand, il y avait des plus petits. Des angles bizarres. Oh, tant pis. Voilà, c'est décoré. Ça ira bien. Hein. Ah. Non, mais là, c'est trop. C'est... Les outils, je suis pas assez habituée. Ça me prend la tête de ouf. Mais on a fait une cabane. On va mettre en dessous de quoi? De quoi les protéger? On l'a fait nous-mêmes, c'est déjà bien. Enfin, surtout moi, en fait. Vous n'avez pas fait grand-chose. Reconnaissez-le, quoi.
Voilà, il peut faire dodo ici. C'est fantastique. Mais vous avez raison, ça manque d'une petite cascade quand même. Alors on va tenter de faire ça. Je sais pas du tout comment on les fait. Aucune fucking idée. Mais on va. J'imagine que ça va commencer par du terraforming là. Attends. J'arrête de faire genre, je sais faire l'accent québécois parce que je sais pas. Et je l'adore. Du terraforming. Mais avant, je veux voir. Là-dedans. C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. Water splash. Ah, vous avez regardé. C'est juste du water splash pour le moment. Donc la cascade, elle va peut-être se faire d'elle-même. On va voir. Est-ce que c'était comme ça, en fait, dans Zoo Tycoon ? Faire une cascade. Et de l'abord de la hauteur. J'ai regret de constater que c'est pas comme dans Zoo Tycoon. je constate. Bon. Bah c'est pas grave, on tombe. C'était comme ça dans Zoo Tycoon 2. On mettait de l'eau en hauteur, on mettait de l'eau en bas et... Enfin, oui, c'est ça, simplement. Ça faisait une cascade logique. C'est pas le cas là. Alors, comment je vais pouvoir faire une cascade ? Dans des water. Ah ! Mais d'accord, non mais le truc qui revient en arrière n'importe comment. De quoi toi ? Le retour en arrière, il est chelou. Les cascades, je sais pas si on peut les faire déjà. Hein. En frais. Pas du tout. Et juste water splash. Il y a des cailloux en tout cas, mais il n'y a pas de cascade je pense, hein. Et ça, ça fait, ça rend le jeu pire que tout en fait. Waterfall. Ouais, si, il y a ça en fait. On va tester. Hein. Il disparaît. D'accord. Parce que j'ai mis aligné sur la surface, c'est ça. Et bon, on va tenter comme ça, hein. On va tenter comme ça avec des cailloux. Je vais mettre des cailloux. Je m'en pose. Attends, je m'en pose. J'ai pas entendu, c'est Lex la meilleure. Ou alors c'était tout à l'heure et j'ai pas fait gaffe. Désolé si c'est le cas. Désolé, désolé. Qu'est-ce que le jeu vient de passer ?
3 sur 20, hein, 3 sur 20, désolé. Non, mais il y en a, mais c'est vrai que c'est pas comme j'imaginais. Ah là, ça a marché. Non, je... Voilà. Ah, des fois, les cailloux c'est sont officiel. Tout pour... C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. C'est sympathique. Une façade rocailleuse. Je crois que du coup avec les cailloux, je pense que je peux changer la taille comme je veux, je pense. Je vais tester. Sinon je pense que je fais ça. C'est ouf quand même. Pouvoir changer, pouvoir moduler les objets comme ça, c'est assez incroyable. Je regardais le même pattern. Mais en plus ça va, la texture elle reste pas dégueu. Pas non plus parfait, mais elle reste pas affreuse. De faire une cascade hein. Du coup je mets je lisse la texture, on va pas le faire sur l'herbe, ça va faire chelou, voilà hein. Je respire. Alors imaginons. 5 minutes, je vais manger à plus. Bonne nap. Effectivement, il est minuit, c'est l'heure pour toi de manger. Je prends tes habitudes. Alors, voilà. Voilà, là c'est la cascade. C'est sélectionné, c'est ça? Ouais. Est-ce que je peux grandir sa taille aussi à la cascade? Oui. Ça allonge pas son trait d'eau, son filament d'eau. C'est bien dommage. Fini, allez. Allez. Je veux pas. Non. Un truc hein. Comme si c'était plein d'eau qui coulait. Non, gonfle.
Elles sont pas dingues les cascades. Hein. Elles vont vite donner un effet bizarre. Difficile de se rendre compte de comment je mets les trucs là. Ça manque un peu d'eau qui coule quoi. C'est pas ce que j'imaginais. J'avoue, ça mérite d'être amélioré. Puis l'eau, après elle est pas agitée, mais je peux normalement la changer. L'eau agitée, ça? À chaque fois le retour en arrière en fait c'est pas un vrai retour en arrière. ça me fait azirer. Ouais c'est de l'eau agitée mais ça se voit pas beaucoup. Hein. Bon. J'ai vu pas mal de choses. Merci. Je vais commencer à fonctionner, mais en tout cas, ils ont pas l'air de tout péter pour le moment. Bonne T-Rex, j'essaie d'en voir un de près. Oh. C'est pas mal. Je vais arrêter la VOD ici. Ça fait 2 heures. Des bisous VOD. Et la découverte de Prehistoric Kingdom. Bye bye.